Alors là, je vous présente Imvu. Moi, je suis sur Imvu aussi, comme vous voyez, c'est ça, Imvu. Je suis ici, c'est pas moi, c'est un inconnu, une inconnue ou un inconnu. Je sais pas si c'est un mec ou une rien. Comme vous voyez, ça sert tout simplement à rien. Enfin, si ça sert à rester planté là. Le principe de Imvu, c'est des phases par phase, hein, des points. Vous voyez, vous pouvez pas vous déplacer comme Aicel. Second Live, pour ceux qui ne savent pas l'abréger. Vous pouvez juste bouger comme ça, voilà. Dès qu'il pisse comme ça. Et je vous rassure, il ne pisse pas. C'est simplement le là-haut que j'ai ajouté. Si ça s'appelle une pause, une pause émo. Voilà. Regardez par exemple quand vous allez là. Le personnage s'agrandit. Vous pouvez vous foutre dans la théière aussi. Ce qui est un peu con et qui sert à rien. Du coup, mon animal de compagnie est bugué. Ah ouais, et ce qui me semble, comme l'animal ne bouge pas, ne vous suit pas, eh ben ça permet de faire tout simplement des animations de pause sans se soucier que la personne va bouger en plus. Donc ça permet d'être peut-être plus créatif dans ce sens-là, je sais pas. Ou alors c'est de quoi? Ben non, parce que l'autre, il faut prendre en compte l'animation. Et à mon avis, à ce moment-là, c'est plutôt peut-être un peps qu'il faut nourrir. Enfin, j'en sais rien. Ouais, je pense que c'est plutôt ça, en fait. C'est possible qu'il y ait ça aussi sur Second Life, mais alors c'est un peps à nourrir, quoi. C'est complexe. Que si on se connecte pas pendant des mois et des mois, le peps il crève et voilà, on est dans la merde. C'est un peu inutile leur truc. Bon, c'est pour les accros en fait, hein, les accros de Second Life. Alors, comme vous voyez, j'avais oublié que j'étais en live, en machin. Comme vous voyez ici, on a plusieurs trucs, plusieurs ROM, hein, c'est sympa, c'est des ROM plusieurs comme ça. Ça, c'est par exemple ma ROM à moi. J'ai une ROM comme ça, assez sympa. Oui, je suis un Fury, un Fennec. Avec un renard à côté de moi, c'est la classe. Alors, comme il y a un petit souci qu'avec le là-haut, c'est qu'il m'a fait, il a, oula, il a fait grandir mon personnage un peu plus grand, donc du coup, bah, il touche le. Il parie que c'est normal. Alors moi, j'ai acheté avec mon GSM des crédits pour pouvoir. Bon, j'ai plus rien parce que j'ai acheté ce qu'il me fallait. Avant j'avais ce skin là en fait. Je le montre. Donc voilà, ça c'est mon nouveau skin. Vous voyez, il est classe, il est génial. Ça c'est un skin, donc un avatar, pardon. Génial. Il bouge, il est animé. Il est classe, quoi. Il est vivant. Et mon ancien skin, c'était celui-ci. Qui est beau, qui est génial aussi, que c'est une amie qui me l'a offert, mais le souci c'est que il est classe, il est génial, il n'y a pas de souci, mais ça ressemble moins à un Fennec en fait, parce que comme c'est pas une couleur normale pour un Fennec, c'est un Fennec assez spécial. Ben en fait les gens automatiquement ils me disent ça c'est un Fennec ça, et je leur dis bah oui. Ils ont toujours la même réaction, quoi. Ils se disent, non, mais ça ressemble pas à un Fennec. Pas vraiment beaucoup à un Fennec, quoi.
Pourtant, c'en est un, mais il est un peu différent, donc du coup, ben, il est un peu compliqué à quoi beaucoup de gens se posent des questions. Mais il est beau. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si les gens pensent que ne savent pas que c'est un fennec, c'est un très beau avatar. C'est une amie qui me l'a offert, et d'ailleurs, elle est vraiment sympa toujours de sa part. Et c'est un avatar que j'aime bien, que je tiens, que j'y tiens malgré tout. Pour le moment, j'ai plus envie d'utiliser pour l'instant parce que mon régular, c'est l'autre. Donc mon avatar régular c'est celui-ci. Parce que comme je l'ai acheté avec les coco sous, c'est devenu mon régular. Parce que ça c'est comme une sorte de loueur d'occasion quoi du débutant. Parce que comme je débutais, ben j'avais besoin d'aide et cet ami m'a aidé quoi. Et j'ai dû apprendre à voler de mes propres ailes. Et ben c'est ce que j'ai fait, ben maintenant, ça c'est mon skin régular pour une vue. Vous voyez, c'est classe. Je vais faire attention parce que là, le petit renard, il doit avoir fort mal, hein, le pauvre, il est dans le trou. Donc du coup, quand j'ai un animal avec moi, j'évite de me mettre n'importe où. Voilà. Donc Imvu est pas mal non plus, mais il faut trouver tout. Après, en termes de customisation de Fury, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup pour trouver, quoi. Il n'y a pas beaucoup de choix. Ça, c'est clair. On dirait, en tout cas chez moi, j'arrive pas à trouver beaucoup de choses, à part ce skin-là qui donne plus ou moins bien parce que ça a plus ou moins la bonne forme morphologie parce que j'avais la bonne au bon moment. Enfin, je veux dire, voilà. Je veux dire, pour faire un loup, c'est un peu chaud, c'est un peu juste. C'est pas trop ça, quoi. Enfin, non, il faut chercher, quoi. C'est très très chaud. Il y a certains skins que j'aime pas, je garde pour moi, mais la plupart du temps c'est tous les skins. Donc, le seul que je tolère c'est le mien parce que j'ai fait moi-même quoi. Donc voilà. Regardez par exemple une autre personne, elle a fait ça comme ça. Mais il est pas mal celui-là. Voilà, celui-là il est pas mal. Donc on peut quand même faire des skins qui sont pas mal, mais. Moi, bon, il y a des gens qui font des skins hyper moches. Ça, je vous le dis et je le sais parce que j'ai beaucoup de gens qui ont des skins et qui ont des skins, mais hideux, très très moches. Si vous voulez, c'est des skins qui n'y a pas de. Il n'y a pas de. De truc en fait, il n'y a pas de museau, voilà. Je cherchais le mot. Et du coup, ça rend le skin très très moche. Je sais pas comment on peut aimer avoir pas de museau, il n'y a pas de logique à ça. C'est moche. Pour moi, c'est pas Fury d'avoir un. Enfin, c'est Fury buggé, voilà. Excuse-moi, c'est comme ça. Pour moi, il faut avoir un museau, sinon c'est moche. Ça se peut, elle n'a pas de museau, attendez, on va regarder, on va voir ça. Ah si, il y en a un, donc ça va. Elle est mignonne. Donc voilà, c'est vraiment ça le truc. Non. Ça va, elle est sympa celle-là. Mais après, je sais, moi j'ai des préférences quand même pour ceux de Second Life. Je préfère les avatars de Second Life, mais j'aime bien ceux-là aussi, ils sont sympas quand même. Ils sont pas horribles à ce point-là, quoi. Ça va, c'est sympa. C'est un autre style en fait, c'est surtout ça. Donc voilà, ici vous avez les gens qui se connectent. D'ailleurs, j'ai un ami qui doit se connecter, mais. Elle m'a fait peur un peu. Lol.
Je sais pas si je vais mettre T, ah, je ne vous connais pas, ou S. Je ne vous... Bon, tant pis, je vais faire une faute. Mais non. Le mec, tu vois, il m'aide. Ah, mais... J'ai encore arrivé à faire échappe d'une lettre. Oh, je sais plus qu'on écoute. Oh fuck. Le vie. C'est triste, le vie. Oh, bien sûr. Je parle France. C'est pas facile, c'est facile de, en même temps, regardez-moi ça, c'est facile de venir et faire croire aux gens que t'es bien élevé. Bon, en même temps, dans ça, je suis bien élevé, donc, enfin, je me suis élevé tout seul, surtout. C'est mon père qui aurait dû prendre soin de moi, j'aurais été impoli, rageux, insulteur. Je me suis vraiment pris en main tout seul. Pris en main tout seul. Donc voilà, c'était... une petite vidéo de une vue. Si vous aimez bien ce jeu, voilà, vous savez mon pseudo, c'est Average Sharon. Si vous voulez une fois venir sur une vue et que ça vous intéresse, bah, c'est un bon jeu, c'est une bonne simulation, mais c'est pas le même que SL quoi, Second Life. Ça pompe beaucoup moins en tout cas, c'est beaucoup plus... Comment dire, moins pompant. Vous pouvez allumer un jeu de taré à côté parce que le jeu n'est pas lourd du tout. Quand il est très très. Les processeurs ne demandent pas beaucoup pour ce jeu. Donc c'est ça qui est génial. Le